Salut les dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, là on n'est pas sur des frelons asiatiques ni des frelons européens, on est sur des guêpes germaniques ou guêpes vulgaris. On verra ça peut-être tout à l'heure. Je vais vous montrer où il est placé, dans un petit gabanon. Il a l'air pas mal. Allez, je vous montre ça. Donc ici, vous voyez, il y a une petite terrasse, il y a la maison à côté. Et juste derrière, là, je vais faire attention parce que j'ai pas la combi. Je sais pas si vous allez le voir, Lenny. Ça vole, ça vole, ça vole. On ne le voit pas trop là. Vous voyez là, juste au bout là-bas, on le voit là. Bon, je vais sortir parce que ça vole autour de moi. Allez, je vais m'habiller et on va aller voir ça de plus près. A de suite, les dédés. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, on va aller voir ça. On va aller voir ce petit nid de guêpe germanique. Tranquillos. Donc, il faut bien se couvrir parce que ces petites guêpes, ils essayent de passer dans les petits trous des vêtements et essayer de nous piquer. Donc, il faut faire vraiment attention. Donc, normalement, la fermeture est claire et bien faite. Ah, aujourd'hui, il fait pas chaud. Eh oui, 1er novembre. Faut bien travailler. Il y a encore des guêpes. Hein. Il y a encore des guêpes. Allez, je vais vous montrer ça. Allez, on arrive sous la petite abri, je ne sais pas si vous voyez, il y a déjà les guêpes volées ici. En fait, ils arrivent par là. Je ne sais pas si vous le voyez ici, le nid. On le voit, il est juste dans le coin là. Allez, on va aller voir ça de plus près. Pas trop de place. Bon, j'ai déjà des guêpes autour de moi. Regardez-moi ce nid. Regardez-moi ça. Donc, à mon avis, l'entrée principale, il est là. Regardez-moi comment c'est beau. Fixé au mur, donc ça reste quand même assez dangereux. Allez, on va traiter ça. Partout. Il faut faire vraiment attention aux mains. Je vais essayer d'ouvrir le nid. Je vous montrer les galettes. Regardez mon visage. Regardez-moi. La GoPro. Donc, il faut faire très attention parce que ça peut rentrer dans les vêtements. Donc on voit bien que le nid est traité. Regardez-moi. Que j'ai sur moi. Allez, on va s'éloigner. Regardez ça. Le dard coincé. Regardez toutes ces attaques. Là, c'est surtout ici qu'il faut faire attention. Ça peut rentrer dessous dans la fermeture éclair. Et là, ils vont me suivre. Hein. Ils vont me suivre jusqu'à la voiture. Hein. Regardez-moi, ils ont tous le dard coincé encore. Un autre qui est coincé. Regardez-moi ça.
Vous voyez tout ça. C'est des milliers de guêpes. Hein. Donc il faut faire attention, très dangereux. Donc le nid est traité. Mais là on va retourner à la voiture. Et on va se déshabiller en toute sécurité. Regardez-moi. Regardez mon bras. Ils essayent de piquer, de gratter ma tenue. Pareil de ce côté. Voilà. Donc s'ils ont la possibilité de passer sous les habits, ils vont le faire. Donc il faut faire très très attention. C'est pour ça que si vous regardez bien, j'ai des bottes. Voilà. C'est pire que les frelons. Allez, on retourne à la voiture tranquillement. J'en entends qu'il y en a autour de moi encore. Regardez-moi. Toujours sur le bras. Oui. Hop, j'en ai une autre encore là. Voilà. En fait, j'en ai partout. Donc, il va falloir faire attention. Bon, les Dédé, je vais vous montrer comment on reconnaît une guêpe germanique et une guêpe vulgaris, parce que ça se ressemble. Il y a quelque chose pour les repérer, je vous montre ça. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, je ne peux pas zoomer, je peux pas aller plus près, parce que ça floute dès que je suis plus près. En fait, sur le museau, là où vous avez les mandibules, là, j'essaie de zoomer un peu plus avec, je zoomerai avec le logiciel. Vous voyez là, en fait, il y a trois petits points ou un petit point sur le museau. Et ça veut dire que c'est des guêpes germaniques. Quand il y a un trait, c'est que c'est des guêpes vulgaris. Et quand il n'y a rien, c'est que c'est une autre variété des guêpes, qu'on n'a pas trop en France. Voilà. Donc, j'essaie de faire au mieux. Voilà, petite guêpe germanique. Voilà, ça n'a rien à voir avec les guêpes polistes, c'est les petites guêpes classiques. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un like. Allez voir la description, il y a plein de petits liens de copains que j'aimerais bien que vous voyez. N'hésitez pas à partager et je vous dis à très bientôt les Dédés. Quoi, t'es pas abonné à Dédé Frelon? Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Dédé Frelon.